But next time, please, please, we want the international community to consider what is going on in the DRC, to ask Rwanda to stop its intervention in the DRC and the violation of human rights in this country. So we want the support of the international community next time around, Madam President, we want this to be considered. Thank you very much. Vous êtes parmi les téléspectateurs de l'émission Écho d'Europe qui passe à 11h30 tous les dimanches à la RTNC. Quelles sont vos impressions à ces propos? Mais mes impressions sont très bonnes. Je suis moi-même heureux. Vous avez été heureux de me voir pour la première fois. Moi aussi, j'étais heureux de vous voir. On est à Écho d'Europe parce que chaque dimanche, on sent que le Congo est présent. Il est présent en Suisse, au cœur même des institutions. Ça nous redonne la fierté que la voix du Congo, à travers vous, peut être entendue non seulement au pays, mais aussi là où vous vous trouvez. Donc, je vous encourage et vous avez droit à nos encouragements et à notre soutien même. Parce que ce que vous le faites pour le pays, vous le faites pour la République démocratique du Congo. Au sommaire de cette émission, la 148e session de l'Assemblée de l'Union interparlementaire tenue à Genève sous le thème « Diplomatie parlementaire, tisser des liens pour promouvoir la paix et la compréhension ». À la tête de la délégation congolaise, le professeur André Mbata. Dans son intervention, le député national fraîchement réélu a notamment fustigé le silence de la communauté internationale par rapport à l'agression de la partie est du pays menée par le M23 sous la coupe du Rwanda. Notre question est la suivante. Vous avez vu, mais qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que la communauté internationale a fait devant ces atrocités qui durent depuis plus d'une trentaine d'années? Au sortir des travaux, le parlementaire s'est prêté au micro d'Écho d'Europe. Au menu, la guerre dans l'Est, le climat politique actuel en RD Congo et le bilan du dernier quinquennat de Félix Tshisekedi. Bienvenue à cette émission. Merci de votre attention. Mon cher Jean-Pierre Onema, je voudrais d'ailleurs profiter de ces instants pour vous rendre hommage, parce qu'on ne le fait pas assez dans notre pays. Vous savez, quand quelqu'un est là en train de servir la République, j'ai l'impression que nous attendons qu'il ne soit plus là pour pouvoir rendre hommage à son travail. Moi, je profite pendant que vous êtes là pour vous dire que ce que vous faites est bien pour notre pays. Voilà. Vous avez choisi d'être ici, en Europe, afin de couvrir toutes les actions, toutes les activités des acteurs congolais qui viennent en Europe au nom effectivement de la coopération, au nom des relations que nous devons établir avec le pays ami, des partenaires, des pays partenaires. Et vous êtes là pour couvrir positivement, dans une approche tout à fait patriotique, ces activités-là. Donc je crois que vous êtes suivi chez nous en RDC, à Kinshasa et dans toutes les provinces via la RTNC. Et je pense que c'est une bonne chose. J'ai tenu donc à M. Onema à vous encourager de poursuivre ce travail qui est un travail positif. C'est très important. Donc continuez comme ça, M. Onema. Bravo. Nesika ya moke nzambe Bateka ni molimbo Bona
ezali ya yudasi banu la molili bango baboya polele bango batalaka bato na miso likolo batonda lolendo mami kokisa na nzambe bayina kimia balindisaka te bana ya mibebi suka na bango mabe balukakinga mabe nzambe asalinga bia balukelakinga liwa na bapesinga labi bakomplo na bango bamolindelo ejuwe nzambe nanga asalike bazwa zero Disons d'abord que je suis ici à Genève, je ne suis pas seul, et je conduis une délégation du Parlement congolais et j'ai avec moi quatre autres collègues et nous sommes venus pour participer à la 148e session de l'Assemblée de l'Union interparlementaire et je crois que vos auditeurs doivent le savoir, l'Union interparlementaire c'est l'une des plus vieilles organisations internationales du monde et c'est plus de 180 pays. Qui sont membres de l'Union interparlementaire et parmi ces pays-là, vous avez la République démocratique du Congo. Donc je conduis cette importante délégation à cette 148e session. Et vous devriez également le savoir, le thème est important pour nous, la République démocratique du Congo. Le thème, c'est la diplomatie parlementaire, tisser les liens pour promouvoir la paix et la compréhension. Et la paix est mise à mal dans notre pays. Nous allons en parler tout à l'heure. De toutes ces questions qui ont fait l'objet de ma communication lors de cette 148e Assemblée de l'Union interparlementaire. Madame la Présidente de l'Union interparlementaire, Mesdames et Messieurs les Présidents du Parlement, distingués invités, Mesdames et Messieurs, je prends ici la parole au nom de la République démocratique du Congo, dont je suis le chef de délégation à cette 148e Assemblée de l'Union interparlementaire. Au nom de cette délégation, je m'empresse donc de vous féliciter, Madame la Présidente, pour votre brillante élection à la présidence de notre organisation. Nous félicitons également les organisateurs de cette 148e Assemblée de l'Union interparlementaire pour les thèmes choisis, la diplomatie parlementaire tissée des relations pour promouvoir la paix et la compréhension. Il s'agit d'un thème qui sonne d'une façon particulière pour la République démocratique du Congo, mon pays. Parce que la RDC, située au cœur du continent africain, est entourée de 9 autres pays voisins avec lesquels il entretient de très bonnes relations. Et la RDC, depuis l'indépendance, s'est investi dans une diplomatie de la paix et de la compréhension, non seulement sur le continent, mais également ailleurs, où des missions de médiation ont été conduites. La diplomatie parlementaire a ceci d'important qu'elle tient à compléter la diplomatie classique, mais contrairement à la diplomatie classique, la diplomatie parlementaire est l'œuvre des élus, des représentants légitimes du peuple. C'est une démocratie qui se caractérise aussi par la vérité et une démocratie qui doit éviter le double langage. Cette remarque est particulièrement importante pour la République démocratique du Congo, mon pays où la paix est devenue une denrée rare. Tout simplement, essentiellement du reste, à cause des immenses ressources naturelles dont regorge mon pays. Mais la RDC est également victime, on l'a dit à plusieurs reprises, elle est victime de l'agression de la part du Rwanda à travers le mouvement terroriste du M23. On n'a pas besoin de réplique ici parce que le Rwanda viendra lui-même à la tribune. Je voudrais ici, à la face du monde, apporter d'abord un cinglant démenti à la rhétorique répétée dans toutes les assemblées par le Rwanda. Dans notre pays, plus de 12 millions de personnes ont été tuées, plus de 10 millions de personnes déplacées, des femmes égorgées.
des femmes et des enfants sur les routes de l'est du pays. Tout ça à cause de cette agression. Voilà l'argumentaire tel qu'il est généralement fourni et que je voudrais ici écraser. Le Rwanda est en RDC en vertu de quels principes de droit international? Le droit international est fondé sur des principes sacro-saints tels que le respect de la souveraineté des États et de l'intégrité territoriale. Qu'est-ce qui peut justifier un État à porter des missiles sol-air sur un territoire étranger? On a souvent parlé de FDLR, des génocidaires. Mais c'est la communauté internationale qui avait forcé la République démocratique du Congo à recevoir ceux qui avaient commis le génocide au Rwanda. Ils ne sont pas venus à la demande de la RDC. C'est la communauté internationale qui est donc responsable. Ils sont venus depuis 1990. Dieu seul sait combien il en reste. Et mon pays, dans la recherche de la paix, a autorisé l'armée rwandaise à entrer sur son sol pour combattre les fameux génocidaires. À plus de 3 fois, ils sont entrés avec l'autorisation, ils sont sortis pour dire que la mission était terminée. D'où vient donc cette invocation de FDLR? Mais nous connaissons la raison fondamentale. C'est le pillage des ressources naturelles dont rigole la RDC. C'est tout. Et c'est pour cela que nous félicitons les parlementaires d'autres pays qui ont levé la voix de la RDC dans leur parlement, des collègues belges, français et ailleurs, pour dénoncer ce qui se passe dans mon pays. La véritable raison reste donc le pillage des ressources naturelles. Et nous dénonçons ici le protocole signé par l'Union européenne avec le Rwanda pour l'exploitation des ressources naturelles, alors que l'Union européenne sait très bien que ces ressources-là ne se retrouvent pas au Rwanda. Mais Madame la Présidente, nous croyons à la diplomatie parlementaire, c'est pourquoi nous sommes à ce forum et nous voudrons qu'une fois pour toutes, grâce à la diplomatie parlementaire, il soit mis fin à l'agression rwandaise, que la paix revienne en République démocratique du Congo et que notre pays puisse donner à l'Afrique toutes ces ressources qui peuvent servir à la renaissance africaine. Je vous remercie. Et je dis que c'est aujourd'hui que la voix de la RDC s'est fait entendre, effectivement, parce que nous devrions intervenir sur le thème diplomatie parlementaire, tisser les liens pour promouvoir la paix et la compréhension. À cette occasion, j'ai d'abord insisté sur l'importance de la diplomatie parlementaire. Et très souvent, les gens sont habitués à la diplomatie traditionnelle ou la diplomatie classique menée par le chef de l'État. En fait, pour le cas de la RDC, Son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Chilombo, c'est le premier diplomate, c'est lui le chef de la diplomatie au sommet. Et ce que nous faisons, en fait, c'est dans le même objectif, dans la même lignée. La diplomatie parlementaire vient compléter la diplomatie classique traditionnelle qui s'est faite à travers le chef de l'État, le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, qui s'est faite à travers nos ambassadeurs. Nos représentants auprès des institutions internationales, ils font la diplomatie classique. Et nous, au niveau du Parlement, nous faisons la diplomatie parlementaire qui vient compléter la diplomatie classique. C'est important parce que les acteurs principaux de la diplomatie parlementaire, ce sont les parlementaires, ce sont les députés, ce sont les représentants légitimes de leur peuple. Et il y a ceci de particulier que quand ils s'expriment au niveau de la diplomatie parlementaire, ils expriment les préoccupations de leur peuple. Et notre langage est souvent dur. Et souvent direct, alors que la diplomatie traditionnelle, on tend un peu à cacher les choses avec tout ce qu'on a appris en diplomatie. Mais dans la diplomatie parlementaire, vous exprimez les choses telles qu'elles sont ressenties par votre peuple. Et vous posez effectivement la question sur ma communication. Elle a porté sur la paix en République démocratique du Congo. J'ai tenu à dire du haut de la tribune, et je crois avoir été entendu par les représentants des 137 parlements qui peuvent participer à cette assemblée, que la République démocratique du Congo, notre pays, est confronté à une situation particulière. La paix est menacée. La paix n'est pas seulement menacée, mais elle est rompue en République démocratique du Congo. Pourquoi est-ce qu'elle est rompue? Notre pays, la RDC, fait l'objet de l'agression rwandaise. Ça ne pose plus un doute. Nous sommes victimes de l'agression rwandaise. Et cette agression, le Rwanda a toujours eu. Ils ont pu également le faire. Ils veulent se justifier, voilà, c'est parce qu'il y a des intérêts moués, ceux qui ont commis les génocides au Rwanda, c'est parce que nous voulons protéger, nous défendre. Mais j'ai tenu à m'exprimer devant cette assemblée en disant que l'une des missions
de l'Union interparlementaire, c'est promouvoir le respect du droit international. Ce que j'ai dit d'abord, je crois que j'ai été un peu plus long. J'ai présenté, mais on a même présenté une résolution, c'est-à-dire on a demandé clairement que le silence de la communauté internationale, c'est de la complicité. Cette communauté internationale qui parle de la protection des droits de l'homme. Et nous sommes ici à Genève. Tout à fait. Vous avez des institutions qui parlent de la paix et de la protection des droits de l'homme, y compris les droits humanitaires. C'est né ici. Mais quelle hypocrisie de la communauté internationale. Pendant qu'il parle de l'Ukraine, pendant qu'il parle de Gaza, et on a beaucoup parlé de Gaza là-bas, je vous ai dit qu'en République démocratique du Congo, c'est pire qu'en Ukraine. C'est pire qu'à Gaza. Donc c'est deux poids, deux mesures. Ils se taisent devant ce qu'ils... Ils sont complices et ils l'ont compris. Politiquement, la RDC se porte bien. J'ai été réélu. Et Dieu merci, sur la liste de l'UDPS, c'est mon parti, l'Union pour la démocratie et le progrès social. J'ai été réélu dans la circonscription électorale de Dimbelenge au Kasaï central. Et je remercie en passant mes électeurs qui m'ont fait confiance. Le pays se porte bien. Nous avons organisé des élections libres, transparentes et crédibles. Je dois dire que moi-même, qui vous parle, j'ai lancé la campagne du président de la République dans la diaspora. J'étais à Bruxelles. J'étais en Afrique du Sud et vous savez vous-même quels ont été les résultats. Quels ont été les résultats pour la présidentielle du président de la République. Je suis heureux d'avoir donné ma petite contribution à cette élection foudroyante, même dans la diaspora. Donc le pays se porte bien. Nous avons organisé des élections démocratiques. Ce n'est pas comme au Rwanda. Ils iront aux élections au Rwanda, mais il n'y a pas d'opposition là-bas. Et chez nous, les résultats ont été acceptés. Notre peuple a voté, mais maintenant nous avons des défis. Nous avons des défis. Vous savez, le président de la République a toujours dit que c'est le peuple d'abord. L'un des défis majeurs, c'est que cette législature, nous devons faire en sorte que notre peuple bénéficie tant soit peu de ses richesses naturelles. Nous devons faire en sorte que nous puissions contribuer davantage, avancer dans l'amélioration des conditions de vie de notre peuple. Ce que nous avons aujourd'hui, ce n'est pas ce que nous étions. Nous avions sur l'ancien régime. Et nous devons également faire en sorte que l'agression puisse se terminer afin que les immenses ressources dont regorge notre pays puissent profiter à notre peuple. Et quel était mon bilan? J'étais le président de la puissante, on l'appelle puissante, commission politique, administrative et juridique, la commission PAJ. C'était cette commission-là qui a produit les textes qui nous ont permis d'aller aux élections. Sans cette commission-là. Donc le travail de l'Assemblée, c'est l'Assemblée, c'est tout le travail de l'Assemblée, mais à travers cette commission. Donc s'il y a eu élection, c'était la loi électorale venait d'abord de cette commission-là. Et j'ai présidé cette commission-là. Et après, j'ai eu l'honneur de présider la commission qui a mis en place la CENI, l'équipe de la CENI, qui a pu nous organiser les élections pour la première fois dans les délais constitutionnels. Je peux dire que j'ai apporté ma petite contribution parce que sans le travail, sans la CENI, malgré tout ce qu'on disait, surtout vous qui êtes à l'extérieur, ce que vous pouvez voir sur les réseaux sociaux, c'était impossible. Mais sans ce travail-là, nous n'aurions pas eu des élections pour la première fois dans le délai constitutionnel avec Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo comme président de la République. Et vous savez également qu'au sous, les textes qui ont été adoptés, pour la première fois, la diaspora congolaise a voté. Voilà quoi. Mais l'équipe qui tombe très bien. Nous avons là après la pluie, hein. Donc, tu as une photo, tu as filmé. Vous avez la tête, oh, ni ni bonabo. Mais, pourquoi tu as une victoire? C'est ma rose, Moulin. Merci. Roger, où tu as voté? Nous avons une impression, les amis. Écoute, déjà, les procès à Libousso, c'est très bien organisé. Tout s'est bien passé dans l'ordre, dans la transparence. On ne force personne. Et moi, j'ai rempli mon droit civique. Mais le sentiment de ce que j'ai dit, c'est que c'est le grave, vous venez. C'est le moment de sentiment, les tout se passe dans le calme. Il n'y a pas. Est-ce que sur vous, ça l'a venu? C'est ma première fois. Pourquoi il s'est pas éviter. Depuis que nous avons en place cette constitution qui avait été promulguée par le président de la République le 18 février 2006, pour la première fois, la diaspora a voté. C'est que nos compatriotes de la diaspora, dont vous faites partie, doivent se considérer comme des Congolais à part entière.
Ils ont voté pour la première fois. Nous allons aller plus loin parce que c'était promis par le président de la République. Il est arrivé que certains de nos compatriotes ont, pour des raisons de travail, pour des raisons de ceci, ils ont acquis une nationalité étrangère. Et l'un des objectifs au cours de cette législature, le président de la République l'avait promis, nous allons faire de sorte que même s'il a acquis une autre nationalité pour des raisons de travail, des raisons de ceci et cela, parce que nos compatriotes contribuent beaucoup à l'économie de notre pays. Et ils sont là, ils participent, ils aident les familles, ils contribuent au développement. Cette législature, avec le président Félix-Antoine Tshisekedi Chilombo, il avait promis, nous devons faire que le coin congolais ne perde jamais sa nationalité. Tandis qu'on a vu ça, tous les ministres bango, bisho toye awa na ba député bato boponaka toye na réunion ya union interparlementaire kolwa makambo ya kimia makambo ya mboka et tolobi ndenge nini kimia ize pa na bisho te pona makambo ya Rwanda memini bisho na ba terroriste ya M23 mabe mokilimo bimba bazo lobati bazo tika makambo ya salama ninge zali na union européenne basali na ba protocole na Rwanda hata kele bango ba minere minoe za kana Rwanda te bande kona bisho tolobi boye bisho tozali ba député ya peuple ya mboka bopona kimisho tozali na nyongo na peuple moto ali président de président Félix Antoine Tshisekedi Chilombo yende bapona yende président de la république élection libre et transparente yemo kwa sia lubaki yangu servir le peuple et le peuple d'abord tango tango makamwa na isalamite azola la pungi te biso pe tozo sebelate puisque baponi biso pou être via la condition à via batona biso échangé tozali mboka moko riche pour les kabasusi oui c'est kabazel pour les Belgique, pour les France, mais il faut Bosunion soit et profiter na mwana mboka. Il faut Kimia ezala. Donc tous les bateaux, tous les autres séparatés, nous sommes nous-mêmes insatisfaits. C'est pourquoi le président Senga Kimanda Mibale a vu en gros, c'est que largement une écrasante, une victoire sans précédent. Puisqu'au moins il y a un tour, le premier tour, monte à 70% et ça l'a magané. Et ça l'a mananoté. Oui, c'est inédit. Mais le président est mort comme le Kola Nyongo. Il a dit que c'est une charge. C'est une charge qui pèse sur ses épaules tous les jours. Mais son père s'est manaillé, le Kola député. Tous les santé, le Kola charge. Tout ça, l'annonce. Tout ce qui peut être Makamboué, Bongana Mboka, Congolais, Alia, Afanda Malamo, à vivre Malamo, Banabak en des classes, Congolais, Azala fier. Azana na mboka na ye oloko ake ndek peut-être na bamboka mususu ya bapaya bazana bilo côté congolais atika la heureux sur son propre sol congolais pe azana na kimia yango na ezali nde mokumba pona biso bapona kimiso to kende libo soko sala mosala. Dans nos prochaines éditions, votre magazine vous amènera à Vienne en Autriche où nous avons réalisé plusieurs reportages. Nous avons aussi rencontré une citoyenne autrichienne qui n'a jamais mis pied en RD Congo, mais qui connaît très bien notre pays. S'il vous plaît, Claudine, alias Mère Clo, s'exprime en Lingala. En fait, comment mon histoire avec le Zaïre, parce que c'est avec le Zaïre que mon histoire a commencé, c'est dans les années 80. Mon père donc, a été nommé directeur de l'Institut français à Vienne et j'ai donc fait mes études au lycée français. Et c'est là où pour la première fois, Naïr Okutana, la communauté congolaise, parce que comme je le disais, de par mon parcours, de par ma naissance, rien ne me prédestinait à être en contact avec le Congo, Zaïre à l'époque. Il faut savoir qu'à l'époque, à l'époque du Zaïre, il y avait donc des ambassades, et notamment ici à Vienne, nous avions une ambassade. Et les enfants de l'ambassadeur, à l'époque, je ne me souviens pas de tous les ambassadeurs, mais je me souviens d'un ambassadeur qui était à l'époque, qui s'appelait l'ambassadeur Boulambo. Et donc, au lycée français, évidemment, Bana et ambassadeur, Bazalaki Kotangakuna. Un amour, vraiment, j'ai découvert une culture, on a découvert fierté, on a découvert vraiment cette richesse, cette diversité des langues. C'est vrai qu'à l'époque, Naïba Kilinga l'a été. Donc, Elo et Laïro Dérangena, c'est vrai que bon, Bazalaïwa, ils balinga appelé Kotonga. Donc, Tangoto s'est retrouvé, Naba fête, Naba ambiance, Wana. Bien sûr, Bazalaï Rosang a été à Kotonga. Donc, moi, ça m'énervait et je me suis fait une promesse, je me suis dit, il faut naïba mounoko, il faut naïe ko la lingala.
Et quand j'ai fini le lycée, après avoir eu mon bac, je suis retournée en France, à Paris, pour faire mes études. Donc, comme je le disais, à l'INALCO, à la Sorbonne et à d'autres endroits. Et dans ma naïveté de jeune femme de 18 ans, Nakanisa Kike, non, Lingala, ezanetimunokonyo, surtout à Mokili, c'est sûr que, et Kotangisama, quelque part, naba institut, naba, peut-être naba organisme et tout. Et la grâce de Dieu a fait que, effectivement, j'ai eu la chance de trouver des cours de Lingala, comme je le disais, à l'INALCO. L'INALCO, les langues eaux, c'est un institut donc, universitaire qui, à l'époque, à l'origine, formait les futurs diplomates qui partaient en mission. Et puis, c'est devenu un institut universitaire. Et à l'époque, dans cet institut universitaire, il y avait donc un professeur, Ouazalaki Kotangisabiso, Monsieur Nzokanga. Malheureusement, il est décédé. Lui, c'était un Congolais de Brazzaville. Mais c'est lui qui était notre professeur de Lingala. Et que c'est une occasion de passer sur la RTNC. Je ne pouvais même pas imaginer un jour dans mon avis que Narolekana RTNC. Et parce que nous sommes ici à Vienne, et pour une raison qui me réjouit énormément. Je vous ai parlé de l'ambassade à l'époque du Zaïre. On avait une ambassade. Et cette ambassade est Kangami pour les raisons que vous connaissez tous. Vous savez très bien comment ça s'est passé. Et j'ai vraiment eu à cœur, dans mon fond de mon cœur, j'avais toujours cette tristesse que pourquoi toi na ambassade a wate na mbokoyo. Faut vraiment que na mbokoyo ambassade penza ezonga. Lelo to komi na Congo, nous sommes au temps du Congo. Il faut que vraiment le Congo revienne en Autriche. Et je suis très heureuse d'avoir appris, et c'est ce qui a permis cette rencontre, que lelo to kutanina papa Jean-Pierre Onema, que nous avons un ambassadeur qui a été accrédité. Alors c'est vrai, pour l'instant auprès des Nations Unies, mais moi j'ai confiance. Je crois en mon Dieu, je sais qu'un jour, des Nations Unies paient, nous aurons à nouveau un ambassadeur ou une ambassadrice ici en Autriche et nous aurons une ambassade. Rappelons-nous de cela, l'unité du pays. Vous savez, quand un peuple se lève, quels que soient les ennemis en face, personne ne peut tenir. Donc c'est vrai que le pays a les problèmes, c'est vrai que nous sommes occupés, c'est vrai que vraiment, Tozo, vivre tout ce que nous vivons à l'Est, nous vivons un génocide, il faut le dire, il faut le rappeler, le crier haut et fort, et le monde entier essaye de nous faire taire. Pour Nawaib, ça veut dire que non, Wanaïza Lokuta, Ezaya Solo. Mais Nzambazali. Notre émission est en présent terminée. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous dimanche prochain pour un autre numéro. Na bosali te ba oya kikolo na